Avec son équipe Al Nassr, Cristiano Ronaldo affrontait Al Hilal ce mardi 18 avril. À la 57e minute, le footballeur ne manque pas de surprendre les spectateurs en étranglant et projetant violemment au sol l'un de ses adversaires. Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo figure parmi les footballeurs les plus connus au monde. Celui qui a marqué l'histoire de la Juventus et du Manchester United évolue désormais, depuis le mois de décembre dernier, au sein de l'Al Nassr FC, situé en Arabie Saoudite. Un nouveau contrat particulièrement fructueux pour la star du ballon rond, dont le salaire s'élève à 16 millions d'euros par mois, soit environ 200 millions d'euros par an. Depuis son déménagement, le compagnon de Georgina Rodriguez séjourne dans au sein du luxueux hôtel Four Seasons de Riyad, où il a réservé pas moins de 17 chambres pour sa famille, ses amis et sa garde rapprochée. Une vie de roi pour le quintuple ballon d'or connu pour son fort caractère. Son tempérament bien trempé, il l'a montré une fois de plus ce mardi 18 avril, lors d'un match contre l'équipe d'Al Hilal. Cristiano Ronaldo étrangle, et fait tomber son adversaire en plein match CIST, une scène inattendue qui ne lui a pourtant valu aucun carton. Alors que son équipe était menée, CIST à la 57e minute de jeu que Cristiano Ronaldo a perdu son sang-froid. Comment? Alors qu'il partait en direction du ballon, la star du ballon rond, bloqué dans sa trajectoire par un joueur de l'équipe adverse, l'a immédiatement attrapé par le cou avant de le faire tomber au sol en prenant soin de ne pas le lâcher. Une scène particulièrement choquante qui fait d'or et déjà le tour du web. Les internautes sont d'ailleurs nombreux à la commenter. Il mérite un carton rouge, CIST indéniable, il jouait à quel sport là? CIST définitivement le joueur le plus protégé, il pensait que c'était Dumas, peut-on lire parmi les centaines de réactions. Certains internautes n'ont pas manqué de comparer la dite séquence avec un combat de catch. Pour l'heure, Cristiano Ronaldo ne s'est pas exprimé sur ce fameux coup de sang.